want to make fun of the world under my feet. Have a little drink, have a little think. Look at me, look at you, look at it. Shit, people make war, people make love. People all believe that we got soul, but we haven't got any. And you want to see the cause? It's just because we are fucking animals. Then you worry about your clothes. You tell me to break your nose. Pourquoi il veut pas respawner? Ah oui. Parachute! Wouhou! C'est parti! Donc, salut! C'est l'R5 et Nascope! Nascope! Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur le mode multijoueur de Battlefield 3 en mode ruée. Et nous sommes bien entendu, vous l'avez remarqué, en mode attaque. Avec mes compagnons, on va compé. Bah ouais, parce que c'est le bien compé. Évidemment. Ah! Oh! Nos scopes de PGM, bien entendu, prévu, tout ça. Non, me tue pas. Donc voilà les amis, c'est vrai que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo, tout court hein, parce que, bon, je vous ai posté un petit montage que j'espère d'ailleurs, sur Photoshop, que j'espère vous a plu. Sinon, la dernière vidéo, c'était sur Modern Warfare 3, mais c'était un gameplay que j'avais déjà enregistré il y a longtemps de cela. Et donc, une vidéo comme ça en live, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps, et pour tout vous dire, ça me manquait. J'avais l'impression que c'était, ça faisait une éternité. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pris le sniper alors que j'y joue jamais. Et j'ai fait un petit joli noscope. Et on va essayer de faire péter ce point parce que j'ai envie de le faire péter celui-là. Allez, vite, on pose, on pète et on fait tout. Voilà, on se barre. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, allez, avant la vidéo 3 ans, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça, histoire de, je vais enlever le laser, histoire de voilà quoi, de délirer un peu sur ce mode multijoueur. Dans une map du Magpack Armored Kill, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, donc qui se nomme Montagne d'Arbors ou d'Arobs. Enfin, c'est assez bizarre comme nom. Ah, on a détruit l'objectif! Tiens! Oui! Quoi? Oh là là, n'importe quoi! Voilà pourquoi je prends jamais le sniper. Il a 2% de vie, le mec, hein, faut arrêter là. Ben ouais, mais bien sûr. Enfin bref, donc Montagne d'Abords ou d'Abrods, je sais pas, c'est un peu un nom bizarre. Le nom un peu bizarre comme dans beaucoup de maps de Battlefield, hein, pour pas changer, j'ai envie de dire. Et donc c'est une des maps les plus jolies avec le désert de Bandar que je vous ai présenté dans la vidéo précédente sur Battlefield. Et aussi la seule map enneigée sur ce Battlefield 3. C'est vrai que ça nous manquait par rapport à Bad Company 2. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui l'ont pas fait, bah sur Bad Company 2 il y avait 3 voire 4 maps enneigées. Donc bon, ça faisait un petit peu plus de diversité, alors que dans celui-ci, bah on avait un petit peu ras-le-bol. En tout cas moi j'en avais un petit peu marre de voir toujours un peu les mêmes environnements quoi. Et c'est vrai que je m'attendais à tout simplement à avoir un petit peu de la neige. Et bah ça fait plaisir, on était un petit peu On était gâté sur ce DLC. Enfin, gâté, c'est un bien gros mot vu que c'est quand même le DLC qui m'a le plus déçu. Je vais vous en parler un petit peu en détail. Concernant en fait, un petit double. Voilà, ça. Bon, assistant dans le deuxième, ok, d'accord, super. Ça m'a déçu dans le sens, pas dans le sens où le Magpack n'est pas de qualité, c'est pas ça le problème. Loin de là, le Magpack quand même, propose quand même des choses de bonne facture, j'ai envie de dire. Mais c'est plutôt dans le contenu. Dans le sens où, si vous vous rappelez bien, dans les précédents DLC, il y avait toujours des maps. Jusqu'à là, rien de nouveau. C'est le minimum. Des véhicules. Mais aussi, bon, au-delà des tags et tout ça, bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu des tags. Mais donc, je disais, oui, au-delà des tags, bah, il y avait surtout des nouvelles armes. Des nouvelles armes, quand même. C'est, je pense, pour la majorité des personnes qui prennent le DLC, une des nouveautés les plus attendues. Alors que là, ils nous sortent un DLC, ils se disent, on va pas mettre d'armes. Pourquoi? Bonne question. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Ils se sont dit comme ça, là, allez, on met pas d'armes parce qu'on est trop fort, nous. On met pas d'armes dans ce DLC, on n'a pas envie, voilà, c'est comme ça. C'est un DLC à 14€, que je rappelle, hein. 14€, le même prix que dans le précédent. Mais dans celui-ci, bah, y a pas d'armes. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Alors, peut-être qu'ils s'en disent, peut-être vous pouvez me dire aussi, hein, y a pas de problème, que tout simplement vous êtes pas d'accord parce que les maps qu'ils nous ont proposées ici sont des maps quand même bien plus grandes. Et d'ailleurs, ils ont proposé la map la plus grande de toute l'histoire de Battlefield, qui est le désert de Bandar que je vous ai présenté. Et j'ai envie de dire, c'est pas une raison.
c'est pas parce qu'ils nous ont présenté et qu'ils nous ont proposé des maps très extrêmement grandes qu'ils se donnent le luxe de pas pas nous mettre des nouvelles armes. C'est n'importe quoi, j'ai envie de dire. On part où bientôt ils vont nous mettre une super arme et après ils vont nous dire non parce qu'on vous a mis une super arme, eh ben vous aurez pas vous aurez pas 4 nouvelles maps, vous en aurez que 3. C'est n'importe quoi cette mentalité, je veux dire. S'ils ont commencé cette campagne de DLC en nous proposant toujours des DLC qui incluaient des nouvelles maps, des véhicules et aussi des nouvelles armes, je vois pas pourquoi dans celui-ci ils se sont dit non, on met pas des nouvelles armes. Voilà, c'était juste comme ça. C'est vrai que ça m'a déçu parce que ce que je m'attendais le plus dans ce DLC, au-delà des maps, c'était quand même d'avoir des nouvelles armes parce que je trouve que les armes on s'en lasse bien plus vite qu'en fait les maps en elles-mêmes. Les maps en elles-mêmes on s'en lasse, mais à partir d'un moment on revient, on les laisse un petit peu et on les laisse un petit moment. Par exemple, on joue pas un petit moment sur une map et un mois plus tard on revient dessus et on a toujours du plaisir. Mais c'est pas pareil avec les armes. Les armes, je trouve qu'on s'en lasse bien plus vite et je trouve que c'est plus important d'avoir des nouvelles armes que d'avoir putain, j'ai plus de trucs. J'ai envie de le buter lui. Mais non, mais vite, cache-toi. On pose quand même. Je sais plus ce que je disais. Oui, pour moi c'est plus important. Ouf, oh, je me suis fait éclater là. Pour moi c'est plus important d'avoir des nouvelles armes que d'avoir de nouveaux véhicules. Je veux dire, on s'en fout un peu des véhicules aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans l'absolu, ils auraient très bien pu nous proposer des nouvelles armes, des nouveaux véhicules et aussi des nouvelles maps. Bah, je vois pas pourquoi c'est ce délire là. Enfin bref, c'était juste comme ça, histoire de vous dire quand même que c'était pas. C'est un DLC qui m'a déçu, voilà. Je trouve qu'on n'a pas eu pour notre argent cette mentalité là de pas nous mettre des nouvelles armes. J'ai pas trop aimé quoi. Après. J'ai vu ça hier. Il y a eu le nouveau DLC qui est annoncé d'ailleurs dans une bande annonce que j'ai pas regardé encore. Et apparemment il y aura des nouvelles armes. Voilà pourquoi dans celui-ci est pas. Pourquoi dans celui-ci il y en a pas. Enfin bref, ça c'est une question dans laquelle on n'aura peut-être jamais de réponse. Mais c'est pas grave. Tiens, petit double qui fait plaisir. Toujours bien. Ok, d'accord. Ça fait toujours plaisir quand même. Donc et entre toutes les nouvelles armes, il y aura l'arbalète. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir l'arbalète. Et voilà, mais je sais pas si je veux me le prendre. Là par contre, c'est vrai que je sais pas, j'hésite un peu en tout cas à me prendre ce DLC qui va sortir. Oh, le respawn. Oh n'importe quoi ce respawn. Oh c'est le bordel. C'est le gros bordel. Non, mais allez, c'est n'importe quoi. En plus, je crois que c'est l'un des derniers points, non? C'est l'un des derniers relais celui-là. Non, je crois pas. Enfin voilà, c'était quand même histoire de délirer un petit peu, de vous donner mon avis après coup sur ce DLC, parce que c'est vrai que c'est quand même important parce que à chaud, c'est vrai que j'aurais peut-être dit n'importe quoi, mais là quand même c'est vrai qu'il faut même l'avouer, je pense pas être le seul à avoir été déçu sur ce point là, loin de là je pense, hein. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous me donnerez votre avis justement sur ce DLC si vous l'avez essayé. Et qu'est-ce que vous en avez pensé justement par rapport aux autres? Parce que c'est vrai qu'on voit direct le contraste. Justement, on parlait ça avec Zertri. On voit direct le contraste avec Close Quarter quoi. Sur Close Quarter, on avait des maps petites certes, mais qui étaient quand même super fun quoi. Et en plus, on avait des nouvelles armes. Donc voilà, on n'avait pas vraiment. C'est vrai qu'on était un petit peu dubitatif au début. On s'est dit. Oui, mais bon, les maps sont un peu petites, c'est pas trop du Battlefield. C'est vrai qu'on s'était dit ça au début, mais en fin de compte, elles étaient vraiment fun. Et surtout, il y avait des nouvelles armes. Donc bon, voilà, c'était quand même un plus non négligeable. Et alors que dans celui-ci, j'arrête là, bien entendu. Je ne vais pas passer toute la vidéo non plus à raconter cette histoire-là. Mais voilà, c'était juste histoire de vous dire que j'étais un petit peu déçu. Alors, à la petite aperçu, je voulais faire un petit aperçu avec le truc là. Attends copain, attends. Oui, attends. Ah oui, mais ils sont déjà deux. Ils sont déjà deux dessus. C'est nul. Oh là là, je voulais faire un petit aperçu avec le quad sur la map. Ah, y'a un mec. Attendez, y'a un mec. Essayez déjà de péter les bombes, ça serait pas mal. Ça serait pas con. Hein. Attends copain, je vais être animé, je suis gentil. Voilà. Oh, c'est pas une bonne idée de passer par là. C'est pas trop une bonne idée ça. Ah, couche-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, je suis caché derrière le rocher. C'est qui m'a buté? Ah ok, c'est un sniper. Autant pour moi.
autant pour moi. Donc c'est vrai que c'est l'une des plus belles maps, quoi. C'est juste sublime, hein. Franchement, sur PC, j'imagine la qualité qu'il doit avoir dans cette map, parce qu'elle est énorme, quoi. Vraiment, il va où, lui? Il va où, ce mec? Mais il est bourré, lui, laisse tomber. Ça sert à rien. En plus, il nous a respawné au bled. Oh là là, je suis dégoûté, là. Ramène-moi ça. Et il est vraiment énorme. Quand vous jouez sur cette map en mode conquête, je peux vous dire que vous vous perdez, mais vite fait, quoi. Bon, une fois que vous l'avez compris, cette map, elle est... Mais regardez, quand même. Super jolie, quoi. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que la bombardière volante, ou je sais plus quoi, là, je sais plus comment il s'appelle. Justement, parlant un petit peu de ce truc-là, là. L'AC-130, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est la nouveauté dans cette map, si je peux dire. Et apparemment, il y a eu une mise à jour. Je n'en sais pas plus, je sais même pas si elle a eu lieu là encore. Mais il y aurait une mise à jour qui enlèverait un petit peu de... Ah merde, je vais me faire en aide là. Putain. Qui enlèverait un petit peu de santé, pas de santé, mais qui rendrait la canonnière volante un petit peu plus facile à détruire. Voilà. J'ai envie de dire, ils auraient carrément pu faire un DLC où ils ont enlevé la canonnière volante. Mais... Oh non, mais vas-y, c'est bon, c'est quoi cette grenade? N'importe quoi, ça. Mais après, ça ne concerne que moi, bien entendu, ça n'engage que moi. Et là, on n'arrive pas à passer, c'est un truc de fou, quoi. C'est quoi ces mecs, là? Attends, il est où, lui? J'ai pas envie de respawner au bled non plus, là. Eh, mais pourquoi il... Oh là là, que ça m'énerve. Mais arrête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est, n'importe quoi, ça? Mais allez, mais bien sûr. Allez, comme par hasard, moi, je lui donne un coup et il te marque, quoi. C'est bon. En plus, je veux un quad, là. On va réanimer. Oh, c'est cool. Vite, on profite. On en profite. Lui, il est dead. Allez, quoi? Je suis à fond sur lui. Et regarde, il avait pas de santé, je lui donne un coup. Et il crève pas. Attends, mais là, on nage en plein délire, là. Attends, mais on nage en plein délire, c'est pire que Titanic là. Putain, allez, on change d'arme. Ils sont où, les mecs? Putain, mais ils sont tous sur bled, mais de chez bled là. Oh là là, mais le délire, quoi. Putain, c'est quoi ce truc? Plus, y a pas de quad, mais d'où y a pas de quad là? Toi, d'habitude, y a plein de quad par là. C'est n'importe quoi. Plus, je voulais péter la charge là. Je suis dégoûté, c'est bon. Oh voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de délirer avant la vidéo 3 ans. Que le montage, enfin techniquement le montage est déjà fait. Il manque plus que quelques petits détails et normalement ça devrait plutôt le faire. Alors certes elle est moins longue que la vidéo 2 ans, mais elle est quand même un petit peu longue, quoi. C'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est la fin. J'ai même pas pété la bombe là. Ah, je suis dégoûté, quoi. Vraiment, je suis dégoûté là. Ah, je suis premier. Ouais, PGM. Bon, la fin, c'était pas très très glorieux, j'ai envie de dire. Mais ils ont vraiment spawn killé les gens, quoi. C'était incroyable. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de marquer le coup et de vous dire que je vous ai pas oublié, les copains. C'est juste que c'est vrai que j'étais un petit peu pris par le temps là, ces derniers temps. C'est qu'à le dire. Et j'ai pas eu beaucoup de temps. C'est qu'à le dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et salut! Steward. Monsieur le passager, vous êtes destiné en destination 2. Vous êtes destiné en destination, oui, c'est dans cette compagnie qu'on vous raconte que de la merde. Donc vous êtes donc destiné en destination d'un autre avion. Nous allons nous crasher dans 2 ou 3 minutes, vous en prie de rester dans votre siège. Oh bah non, finalement, on va se crasher dans 3 ou 4 minutes, le temps qu'on fasse le tour, messieurs dames. Veuillez rester dans vos sièges, mettez la ceinture ou pas, de toute façon, on va tous mourir. Donc avec ceinture ou pas, ça ne change pas grand-chose. Restez dans votre siège, c'était un plaisir de vous avoir conduit. Jusqu'à l'avion, et jusqu'à la mort. Ah, merde. Bon, bah votre capitaine a un peu du mal à cadrer l'avion adverse. Pour l'instant, nous survivrons, mais ceci pourrait se finir sur une montagne, mais finalement, le pilote a en décidé autrement. J'arrive plus à cadrer l'avion, et ça va me faire chier. Ça a tout gâché mon délire, là. Il est l'avion. Bon,
Bah finalement, messieurs dames, nous sommes toujours vivants, il faut croire que Dieu est avec nous. Vu que nous venons de nous cracher sur un autre avion, mais, par un hasard fou, on n'est pas dead. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on va pas mourir. Genre faire ça, par exemple. Wouhou! Ah bah non, là, on est dead. Cool, ça c'est un peu dommage là, pourquoi, mais... Non, 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 attends, il fait quoi là? Fou lui, c'est un fou lui. Il sait pas que c'est pas chiqui moi. Attends là, je suis pas chiqui moi. Hein? Tiens, rentre chez toi. Là. Il est où mon quad? Attends mais c'est un fou lui. Il a cru qu'il allait me tuer comme ça normal. Allez, par derrière en plus. Attends. Attends mais je suis un ouf moi. Oh, le temps, oh, nanana, le temps chante la vie. La vie en rose, je connais que cette partie de la chanson, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. La vie en rose, j'aimerais bien pouvoir jouer, si ce n'est pas trop demandé, dans la vallée de la mort. S'il vous plaît, je ne demande que ça, et faites-le rien que pour moi. Oh, que ça rime en plus. Je suis trop inspiré. Je crois que je ne vais plus m'arrêter. Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu me fais. Oh Marie, si tu savais que dans 5 je sais plus quoi dire. Pourquoi c'est beau ça? Mais pourquoi c'est beau? Je connais pas les paroles, mais on s'en fout. Je connais pas les paroles, mais on s'en fout. L'ennemi a amorcé une charge. Bon allez, je vais les aider un peu là quand même. Ils m'ont l'air d'être mal au point là. Bonjour. D'accord. Pour reprendre le dernier checkpoint. Fais voir le dernier checkpoint. Ah ça va, c'était juste à côté en fait. Ça va, c'est nickel. Y'a l'hélico qui me tire dessus. Oh putain, comment n'importe quoi. Putain, je me fais tirer dessus à cause de ce con là. Putain, on va le buter ma parole. Vas-y, je me fais en aide. Ah, je crache qui va parler.